Dieu. Je vais les baptiser au nom de notre Seigneur Jésus. » Et il y avait une femme qui était venue avec le groupe. Elle a dit à une autre femme, elle a dit, elle a fait une remarque à ce sujet. Elle a dit, « Moi, ça ne me dérangerait pas qu'on me fasse boire la tasse. » Elle a dit, « Ça me va, ça m'est égal. » J'ai dit, « Allez vous repentir. Vous n'êtes pas digne d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. » Voyez, on ne plaisante pas sur ce sujet. C'est l'Évangile de Christ, révélé par une commission. La parole. Maintenant, juste de dire, absurdité, sottise, vous auriez peut-être pu le dire de quelque chose d'autre, mais souvenez-vous, il a été promis dans la parole que ceci arriverait. Et exactement ce qu'il en serait. Et le voilà. Alors, là-bas, ce jour-là, pendant qu'ils étaient debout au bord de la rivière, et l'ange du Seigneur, dont je vous ai dit qu'il ressemblait à une étoile ou quelque chose dans le lointain, il s'est approché et je vous ai parlé de l'aspect de cette lumière émeraude. Et voilà qu'elle est descendue, là sur la rivière, où j'étais en train de baptiser. Même des hommes d'affaires de la ville ont dit, « Qu'est-ce que ça voulait dire? » J'ai dit, « Ce n'était pas pour moi, c'était pour vous. Moi, je crois. » Voyez, c'est pour vous que Dieu a fait ça, pour vous faire savoir que je vous dis la vérité. Comme je n'étais qu'un gamin, qu'un garçon ou presque, j'avais environ 21 ans, alors il refusait de le croire, vous voyez, parce que j'étais trop jeune pour ça. Et puis, je pensais, frère Robertson, ici, un de nos administrateurs, je l'ai vu ici il y a quelques minutes. L'autre jour, il me racontait qu'il était à Houston quand cette photo que vous voyez là a été prise. Et j'étais, lors de ce débat, j'avais commencé à dire quelques mots là-dessus l'autre soir. Frère Roy était le seul, à l'exception d'un autre homme, il était le seul du groupe à avoir un magnétophone. C'était un de ces vieux magnétophones à fil. Je vois frère Robertson maintenant et son épouse, donc, et alors Mme Robertson était malade. Frère Roy était un ancien combattant. Ses jambes avaient été sectionnées dans une explosion où il avait été laissé pour mort. Il était officier de l'armée de terre. Un 88 allemand avait frappé le tank dans lequel il se trouvait et l'explosion l'aurait tué. Le pauvre, il était en pièces. Pendant un bon moment, on l'avait laissé pour mort. On avait déclaré qu'il ne pourrait jamais plus marcher parce que ses deux jambes étaient sectionnées, les nerfs et tout. Oh là là, et il marche presque mieux que moi. Mais qu'est-ce que c'était? Il avait vu quelque chose et il est allé à Houston. Et il me parlait de son épouse. Il a ça sur fil. Il va le mettre sur une bande magnétique. Et quand les réunions ici seront terminées, eh bien, il va vous faire jouer la bande, j'espère. Il a enregistré mes réunions de Houston sur ce vieil appareil à fil. Et il me disait que son épouse, il s'est enregistré là-dessus, mais c'est seulement l'autre jour qu'il l'a remarqué. Elle était si triste. Elle était malade et elle voulait entrer dans la ligne de prière. Il ne me connaissait pas du tout et je ne les avais jamais vus de ma vie. Donc, elle était assise près d'une fenêtre ce jour-là. Elle regardait dehors, tout abattue. Vous savez, troublée, elle désirait avoir une carte de prière pour pouvoir être dans la ligne. Et il s'est trouvé qu'elle a été dans la ligne ce soir-là, ou le lendemain soir, ou quelque chose comme ça. Je pense que c'était le même soir, donc elle était dans la ligne. Et quand elle est montée sur l'estrade, le Saint-Esprit lui a dit, il a dit, « Vous, voilà, vous n'êtes pas d'ici. Vous venez d'une ville appelée New Albany. » Et il a dit, « Vous étiez assise près d'une fenêtre aujourd'hui. Vous regardiez dehors, tout inquiète, à vous demander si vous alliez avoir une carte de prière. » C'est là enregistré il y a des années de ça. Et puis au début de la réunion, pendant que le Saint-Esprit était là, c'était une des premières réunions. Nous avions seulement environ 3000 personnes. Ensuite, c'est passé à 8000. Ensuite, à environ 30 000. Et donc, pendant que je parlais à une des toutes premières réunions, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi je dis ceci. Et c'est là enregistré. Mais c'est nous. Ceci sera l'un des événements marquants de ma vie. Pendant ces réunions, il va se passer quelque chose qui sera plus glorieux que tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Et environ 8 ou 9 ou 10 soirs seulement après, l'ange du Seigneur est apparu devant environ 30 000 personnes. Il est descendu et la photo a été prise. Le voilà maintenant, cette photo a été déposée à Washington, D.C., comme étant le seul être surnaturel au monde à avoir jamais été photographié. J'avais aussi parlé de, vous savez, je disais que parfois, pendant le discernement, je dirais qu'une personne est recouverte de l'ombre de la mort. Il y a une ombre en forme de capuchon sombre. Ils sont sur le point de mourir.